Allah subhanahu wa ta'ala cause avec nous concernant Ramadan. Dans surat de surat al-Baqarah, à partir de l'ayat 183. Si tant que m'a dit mon tani imam, il y a ça, mon fini mémorise li. Li fait rien me donner l'oukma. Li bon, alhamdoulilah. Mais seulement, me suivre li 183, 184, 185, 186. Les temps contextes sans eux, ah, veut dire ça, quand il y a là, le Ramadan, le, la descente du Coran, l'eau doua, l'eau la nuit de Ramadan. Alhamdulillah. Mais seulement, chers frères, moi, j'ai oublié qu'il apportait ayat 180. Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, Kutiba alaykum idha hadar ahadakum al-maut, in taraka khairu lil-wasiyya. Fin prescrit les autres. Quand l'amour besoin des autres, pour ban qui n'a du bien, qui lui finit prépare ce testament. Ayat 184, il dit à nous, ayat 181, il dit à nous, Faman baddalahu min ba'di ma samirahu, fa innama ismuhu ala alladhina yubaddiluna. C'est lui qui sent sa testament là. Après avoir qu'il entendit, certainement il prend sa péché là. Nous prenons le littéral, nous ne finissons pas comprendre. Veut dire un dimoun le lilamo, soit l'inécrire, soit l'indire quelques paroles, nous entendons, des trois entendons, ensuite nous ne sentons, etc. Allah subhanahu wa ta'ala continue cause là. Ensuite, le 183, il commence cause concernant Ramadan. Il est terminé. Le 4 ayat, le ayat 187, il répond nous. Ya ayyuha alladhina amanu, o ban kina iman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. O ban kina iman, pas mon casque qui n'ont pas mérité. Pas mon casque qui n'ont pas mérité. Chers frères, l'explication du mois Ramadan, l'invin en déquit de choses. C'est quoi? C'est qui ça casse qui te met de tout l'écho là. Tu as besoin de guetter ce pas du halal avant. Au milieu qui gagne Ramadan. Aujourd'hui, mon père accueillir Ramadan, frère. Mon père garde Rosa. Mon père lire Coran. Mais seulement de base. Est-ce qu'il m'a gagné un tracas? Est-ce qu'il m'a cassé halal? Est-ce qu'il m'a gagné un tracas? Est-ce qu'il m'a travaillé halal? Est-ce qu'il m'a gagné un tracas? Est-ce qu'il m'a risque? Qui m'a fait faire série grand matin là? Dit halal? Aujourd'hui, nous gagnons halal juste pour eux. Concept halal. L'invin pas un certificat, il y a un certificat là-bas? Oui, il y a un certificat là-bas. Mais tu as dit que tu as mangé. Parce que halal, ce n'est pas un certificat là, tout seul qui fait l'invin halal. C'est le moyen qui te gagne sa casse là. Est-ce qu'il est halal? Frère, comme ni Ramadan peut venir, Ramadan est passé, nous pauvres frères, nous propres, c'est la cause, nous grands. Nous ne prenons business papa, banen out. En gros, nous coupons et gagnons, nous ne donnons pas de port. Qui te comprends pas, nous ne donnons pas de port. Combien nous donnons pas? Est-ce qu'il nous réfléchit là? Allah subhanahu wa ta'ala prend nous depuis le testament. Veut dire qu'il y a quelque chose personnel dans une famille. Pas faire gérer, là, pas mon sac à te casse là. Ensuite, il cause avec nous concernant Ramadan. Et à la fin, il y a un menu général. Oh, toi qui es un iman, pas mon casque qui ne t'a pas mérité. Dans l'islam, ça même qu'il appelle la sorte. La sorte, c'est quoi? C'est tout l'argent qui a un gagné. Qui au fait n'est pas mérité ça. Il n'est pas mérité.
Comment nous connaissons qu'il n'a pas mérité? Il n'a pas de travail. Personne ne peut nous donner un cadeau. Et quand on dit un cadeau, là, pas de cadeau qui vient de l'enveloppe de la soie, là, ça, hein? Pas de cadeau qui donne toi la cause de nous dédouaner, ça pour moi. Pas de cadeau qui donne toi la cause de dire que tu ne fais mon papier passer. Ça pour ce cadeau, là. Ça cadeau empoisonné. Cadeau, comment nous gagner une façon de parler l'exemple Zouïd. Nous travaillons, nous gagnons un cadeau, et troisième, c'est pour l'héritage. Frère, si vous avez une case de repos là, il n'y a pas venu ça trois là. Regardez que nous gagnons sa case là. Pas dire barakat. Allah, comme il met barakat dans le kitso, il n'y a pas fait billet, il vient des fois. Hein? Quand il met barakat dans le kitso, il fait vous satisfaire, vous qui guide. Et non pas multiplier tes billets. Malheureusement, aujourd'hui, frère, nous disons Eli là, combien parmi les jeunes, nous peut apprendre. Nous peut t'auguer dans une profession. Nous peut suivre une filière. Chers frères et sœurs, pas les sous embêter avec leurs haram. Guette bien qui travaille pour rentrer demain. Une fois qu'on pose les pieds pour retirer l'extra difficile. Pour retirer l'extra difficile. Ou peut jouer avec Oudjana de l'enfer là. Parce qu'il nous capital qui nous gagne pour nous faire action, il est tombé devant nous. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par Abu Hurayra radiallahu anhu, qui trouve dans Sahih Muslim, il dit à nous qu'on dit moun, fatigué. Il y a un voyage, il est fatigué. Comment nous dire nous, il est siphonné. Yamuddu yadehi ila sama. Il lève son délamé vers l'échelle. Il dit, ya Rabbi, ya Rabbi. Oh mon Rob, oh mon Rob. Il me fait doua. Il y a un dimoun en voyage. Hadith que y a un dimoun qui est en voyage pour Miban, qui je dois accepter. Les lèvres sont des lames. Adab doua. Et il appelle Allah pour ce nom qui dit plus contre qu'on fait doua. C'est le mot Rab. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, malgré ça, famatramuhu haram. Ce mot c'est haram. Wa mashrabuhu haram. Ce bois haram. Wa malbasuhu haram. Excellence haram. Fa anna yustajabala. Mais comment pour répondre ce doua? Comment pour répondre ce doua? Consomme une petite chose qui est haram, chers frères, ce n'est pas seulement où on se poke. Ce n'est pas seulement au bois du vin. Consomme une petite chose qui est haram, c'est revenu la même haram. À partir de là, quand nous avons la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nos enfants, les dire, pas pour rentrer dans Jannah. Et c'est lui qui se lâche, il forme, il grandit avec l'argent haram. Pas mon dieu, non. Au moins, moi, parents, je finis de couler. Et je coule mes enfants. Je coule mes enfants. Pas de 10 billets là devant nous, frère. Pas de quantité la paye pour gagner quand on a l'interview. Si il est haram, connais celui qui est chrétien, j'ai dit, il n'est pas bon. Hein. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, de bande de rois qu'il y enseigne nous pour lire après Fajr tous les jours. Tous les jours. Allahumma, oh Allah, inni as'aluka ilman nafi'a. Me demande-toi une connaissance profitable. Wa rizqan tayyiba. Me demande-toi un bon risque, un risque halal. Wa amalan mutaqabbala. Et une action qui est acceptée. Tous les grands matins, on vous demande ça. La connaissance vient en premier. Parce que c'est à travers la connaissance que vous connaissez ce qui te travaille halal, haram. Tu ne connais pas, demandez. Demandez.
L'infini arrive la signe, l'infini passe sur commande, l'infini monte le contenir, bill of leading, mine de sur la main. Assez, vous connaissez mon impôt, vous avez droit à vendre. Hein? Assez que les poses questions, frère. Assez que les poses questions. Les temps, il peut négocier là-bas, il n'y a pas aucune question. Qui fait? Parce qu'il est le troisième qui chose, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit nous. Wa amalan mutakabbala. Et ban dora, ban invocation qui est acceptée. Ban action, ban bonne action qui est acceptée. Qui fait? Tout pour dépendre de nos risques, frère. Tout pour dépendre de nos risques. Risque, ce n'est pas seulement manger. Risque, c'est le moyen qui nous gagne. Risque, c'est nous la santé. Risque, c'est sa courage qui nous est là. Risque, c'est tout ban qui chose qui aide nous pour nos travail, frère. Si ça haram, aucun ibadet pas pouvait le faire le nom. Assisé, avec ta d'abord, avec mode de réflexion, relié à portier ayat 180. Aujourd'hui, quand nous lions ayat concernant Ramadan, nous commençons direct le 183. Ça nous est rire. Prends-le à portier ayat 180. Et quand arrêtez pas, arrêtez le 186. Arrête le 187. Tout ça là font partie dans Ramadan.